Bonjour, bienvenue à l'Athénée Royal de La Roche pour la visite gourmande et la journée porte ouverte. On va interviewer, filmer et demander aux gens ce qu'ils pensent de cette journée porte ouverte et de cette visite gourmande. Et puis voilà, c'est parti. Cette journée, en fait, met vraiment en valeur tout le travail de nos élèves. Il y a 140 élèves aujourd'hui présents. Dans le cadre de Génération Entreprenante, on essaye vraiment que ce soit les élèves à la manœuvre. Et c'est les élèves qui sont à la manœuvre partout. C'est eux qui expliquent aux parents, aux visiteurs, ce qu'ils ont fait. Donc c'était important pour nous. On est très fiers. Moi, je suis vraiment particulièrement fière d'avoir mobilisé autant d'élèves sans les obliger. En fait, ils sont là parce qu'ils ont envie de montrer leur savoir-faire. In all the small things, your hands can't even carry. Que toute ta classe a participé? Ouais, on a tous participé et on a tous mis du nôtre et on y est allé à fond. Alors moi je suis en toiture en 5e. Et est-ce que tu penses que cette journée peut t'aider pour ton futur professionnel? Bah oui, parce que toute journée porte ouverte, ou que ce soit concours ou enfin etc, c'est bon pour plus tard. Personnellement, en tout cas, je trouve que ça aide beaucoup parce que ça donne de l'expérience. Et même si, au niveau expérience, on peut quand même avoir déjà beaucoup, je pense que des événements comme ça, justement, nous aident encore à apprendre encore plus. On ne finit pas, en fait, d'apprendre. Et on peut, grâce à ça, amener nos expériences à différents endroits comme des stages ou encore d'autres places. Comment se passe votre visite, justement ? Ça se passe très bien, c'est bien organisé, il n'y a pas trop de monde et la météo est là, c'est bien. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que vous appréciez ce que vous mangez? Bien sûr, non, tout est très bon, même le vin. Et on est à mi-parcours là, je pense, non, c'est nickel. Je suis venu pour voir un petit peu la façon dont on pouvait organiser une journée porte ouverte, parce que ce n'est pas toujours facile. Et je reconnais qu'aujourd'hui l'idée est nouvelle et elle est vraiment bien en place, c'est très bien. J'ai ma fille ici qui présentait un projet en sciences éco.
Et mon fils rentre en première l'année prochaine, et donc voilà, on voulait un petit peu revisiter l'école, même si on avait déjà une super visite l'autre fois et on avait pris rendez-vous. Tu as envie de venir l'année prochaine dans cette école ? Ouais, j'ai envie, ouais, elle est bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'internat, on va dire, ici ? Alors, l'internat est une structure d'accueil qui permet aux élèves de loger à l'internat. Donc, il y a des élèves qui viennent parfois de loin et ça leur permet de loger à l'internat, d'avoir un rythme de vie adapté à l'école. Donc, l'internat est dans un cadre rural, comme tout le monde peut le voir, et est très familial, c'est très important. Aujourd'hui, on faisait un 6 services. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait une mise en bouche qui était préparée, enfin, 3 mises en bouche à l'apéritif qui étaient préparées en section fondamentale. Ensuite, les clients recevaient un potage, donc ensuite ils avaient une entrée pour section service aux personnes. Ensuite, on redescendait en informatique, on avait le sorbet, puis on passait au plat, donc ça se passait chez nous en hôtellerie. Et pour terminer, ils recevaient le dessert au réfectoire où là il y avait la présentation de l'internat, la présentation sciences économiques, enfin, j'en passe, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Comment s'est passée votre journée ? Tout s'est super bien passé, les élèves ont été au rendez-vous, ils ont assuré. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée pour l'instant ? Très bien organisé, c'était vraiment très agréable. Pour les gens qui ne connaissent pas l'école, c'est une belle découverte des options de l'école et ça, c'est, on les met en valeur, c'est quelque chose d'important. Stars on a bleak sky starts for every goodbye.